Good afternoon. This is Dr. John Bennett broadcasting from Miami Beach, home of Neurosurgical TV. We have the pleasure of doing French Grand Rounds again. I'm going to let Saeed Taha, a neurosurgeon from Reunion, an island off the coast of Africa, speak totally in French from this point on. Welcome, Saeed. Thank you very much, John. How are you? The bienvenue à tout le monde. Bonsoir, bonjour à tous les invités et à tous ceux qui sont sur YouTube. Notre invité du jour est notre ami le docteur Julia Cossu. Julia Cossu est neurochirurgien au CHU de Lausanne. Elle est l'auteur de plusieurs articles scientifiques de très grande qualité et s'intéresse beaucoup à l'épilepsie. Elle va à la chirurgie de l'épilepsie. Elle va nous traiter ce soir les techniques de déconnexion de l'épilepsie réfractaire pédiatrique. C'est un grand plaisir de t'avoir ici, Julia, et à toi l'honneur. Donc, merci beaucoup, Saïd, pour l'invitation. Alors, je vais partager mon écran. Alors voilà, je vais vous parler des différentes techniques de déconnexion pour l'épilepsie pédiatrique réfractaire. Donc, j'étais formée à Lausanne, justement, qui est un centre pionnier pour la description des techniques de déconnexion. On a eu plusieurs chefs qui se sont occupés de ça dans le passé, et puis j'ai la chance de dédier en partie de mon training chirurgical à ça. Donc voilà, je vais partager mon expérience avec vous. Alors, pour faire le point, la définition de épilepsie réfractaire ou épilepsie pharmacorésistante, comme elle a été définie par l'ILAE, c'est une épilepsie qui résiste à un traitement adéquat de au moins deux traitements antiépileptiques qui doivent être adaptés en termes de type d'épilepsie du patient. Donc, il faut qu'il soit avec une posologie adéquate et il faut qu'il soit combiné. Donc, les objectifs de ce cours, ça va être de résumer les indications pour les chirurgies de déconnexion, d'arriver à concevoir un plan de traitement pour un patient avec une épilepsie réfractaire et puis de décrire les principales étapes chirurgicales des procédures qu'on va utiliser le plus fréquemment. Alors, comme vous savez, pendant les premières 10 ans de vie, on a une plasticité neuronale qui est énorme avec un branchement dendritique, une synaptogénèse et puis une myélinisation qui se développe. Et puis, jusqu'à 15 ans, on a une évolution avec une mort neuronale sélective, puis une régression des synapses, et donc la constitution des différentes connexions qui vont être celles du cerveau adulte. Donc, c'est quoi l'impact d'une épilepsie réfractaire dans le développement d'un cerveau enfantin? Donc, vous pouvez vous imaginer que vous allez avoir des endroits d'anoxie et des dépressions postictales, primairement dans les foyers épileptogènes, et puis avec une propagation secondaire dans les foyers secondaires. On va avoir des décharges interictales. On va avoir des enfants qui vont être sous traitement antiépileptique de long cours avec souvent en combinaison de ces traitements. Et tout ça va faire des modifications très importantes dans la synaptogénèse, dans la croissance axonale. D'autant plus que c'est des enfants qui vont faire, par exemple, une centaine de crises d'absence par jour, donc qui vont avoir une déprivation sensorielle importante. Et du coup, c'est fréquent qu'ils aillent soit en acquisition des différentes étapes cognitives très ralenties, soit dans les conditions acquises, par contre, en régression cognitive qui va fortement impacter dans le développement de l'enfant. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors, première étape, c'est d'avoir une sélection très, très délicate des cas. Donc, il faut, c'est la première étape très importante. Il faut vraiment sélectionner les cas pour être sûr, ou en tout cas, pour pouvoir donner une bonne
chances de guérison à ces patients. Donc, il y a différents facteurs à considérer. Donc, il y a le type d'épilepsie, considérer cliniquement lequel nous semble le point de départ, si c'est des épilepsies focales, si c'est des généralisées, des drop attacks, quel est l'état neurologique du patient. C'est important d'avoir un état neurologique de départ pour voir quelles sont les fonctions qui sont préservées et surtout, nous, si on planifie une chirurgie, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver au maximum les fonctions neurologiques résiduelles du patient. Puis, il faut analyser quelle est l'étiologie de ces crises. Donc, est-ce qu'on est devant une pathologie qui est congénitale, donc, typiquement les syndromes d'hémiplégie infantile, donc après des AVC périnatales, ou est-ce qu'on est devant des pathologies acquises, donc typiquement des infections, des tumeurs, ou par exemple une encéphalite d'Erasmussen. Les trouvailles de l'EEG, les trouvailles électriques sont naturellement fondamentales pour localiser, pour délimiter notre foyer épileptogène. Et puis, les données radiologiques, donc typiquement l'IRM, éventuellement des SPECT ou des PECT qui peuvent être faits, une interictale ou une ictale, pour évaluer s'il y a des anomalies morphologiques et puis s'il y a des anomalies de métabolisme. Et puis, naturellement, un bilan neuropsychologique, un préopératoire pour évaluer quels sont les acquis du patient en ce moment et avoir aussi une comparaison pour les post-opératoires. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un foyer épileptogène défini. Donc, il faut toujours rechercher en concordance clinique, radiologique et électrique. Donc, si nécessaire, il ne faut pas hésiter à faire des études de stade 2 avec des stéréo-EEG pour bien définir notre foyer. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir des patients qui ont une attente stable et non progressive parce qu'on sait qu'ils vont avoir le meilleur pronostic de notre procédure chirurgicale. Donc, quand est-ce qu'on va aller vers une chirurgie de déconnexion? Quand on a en général des foyers qui sont épileptogènes qui sont larges et on veut chercher d'éviter les complications qui sont liées en résection cérébrale large, du coup, notamment, c'est la sidérose cérébrale. Donc, juste pour vous situer par rapport à l'évolution des techniques de déconnexion, alors, pour l'épilepsie, on a développé des techniques à partir... le premier qui a décrit l'hémisphérotomie anatomique, ça a été Dendy dans les cadres d'un tumeur dans les années 20 avec un traitant en gliome, mais le patient il est décédé dans la période post-opératoire, donc la technique elle n'a pas été poursuivie. Ça a été reprise dans les années 40 pour l'épilepsie, donc l'ablation de l'entière hémisphère, il faut s'imaginer une procédure très très lourde, avec par contre des résultats encourageants dans le sens que le patient il était plégique en post-opératoire, aphasique si c'était l'hémisphère gauche, mais il y avait un bon contrôle des crises. Donc on a eu les premières séries dans les années 50, et puis la description des premières des complications par Rasmussen dans les années 70. Pour chercher de limiter ces complications, donc comme je vous disais avant, la sidérose cérébrale superficielle, ils ont élaboré dans les années 80 une hémisphérectomie fonctionnelle. Donc on commençait à déconnecter le parenchyme en effectuant lobectomie temporale complète. Et puis, dans les années 90, on a les descriptions des hémisphérotomies, encore comme on les applique maintenant, donc par Delalande, l'hémisphérotomie verticale, et puis Birmur Ashram avec l'hémisphérotomie périnsulaire. Alors, donc, première étape, établir la localisation de votre foyer épileptogène. Est-ce que je suis devant une épilepsie hémisphérique? Est-ce que je suis devant une épilepsie sub-hémisphérique avec un foyer qui est plus limité? Donc, si j'ai une épilepsie hémisphérique avec des multiples foyers dans le même hémisphère, il faudra que je déconnecte l'entière hémisphère de l'hémisphère contralatéral, donc effectuer une hémisphérotomie. Si j'ai une épilepsie sub-hémisphérique avec un foyer qui est bien défini,
bah, je peux effectuer une lésionectomie, par exemple, ou un traitement par radiochirurgie éventuellement. Si c'est localisé dans un lobe, je peux effectuer une lobectomie. Donc, la plus commune que je pense la plupart de vous connaissent, c'est la lobectomie temporale. Puis, je peux faire même des lobectomies frontales, même si elles ont un pronostic un peu moins bon par rapport à la lobectomie temporale. Et puis, je peux effectuer une quadrantotomie, donc une déconnexion du cadran. On verra après les détails dans les cas d'un foyer un peu plus diffus. Puis j'ai encore un troisième cas de figure dans les épilepsies multifocales où j'ai des foyers épileptiques qui vont être bilatérales. Alors à ce moment-là, bah, je suis demandeuse de technique chirurgicale palliative. Donc je peux effectuer une déconnexion interhémisphérique ou des stimulations vagales, des deep brain stimulation ou des responsive neurosensory stimulation. Donc, quels sont les objectifs de ma chirurgie pour une épilepsie hémisphérique? Ben, premier objectif, naturellement, ça va être le contrôle de mes crises. Puis, je dois chercher de faire attraper un lymphon sans retard psychomoteur, si possible, le faire réintégrer dans son milieu psychosocial. C'est impératif de ne pas aggraver l'enfant avec notre procédure chirurgicale. Et il faut savoir que bah, dans plus que 80% des cas, je peux obtenir un Engel classe 1, donc un contrôle optimal des crises, si j'arrive à bien sélectionner mes cas chirurgicaux. Donc, des exemples de pathologies qui peuvent attendre mon hémisphère, c'est typiquement les syndromes de d'hémiplégie épilepsie infantine. Donc, c'est typiquement des patients qui ont souvent des cavités porencéphaliques larges, qui ont des attentes vasculaires périnatales, avec une souffrance large de l'hémisphère. C'est typiquement des attentes vasculaires de la carotide interne ou de la cérébrale moyenne, avec des crises d'épilepsie qui débutent assez précocement, souvent après un épisode fébrile, et avec des crises qui deviennent rapidement réfractaires, et des enfants qui développent petit à petit des déficits neurologiques. Donc, une autre étiologie pour une épilepsie hémisphérique, c'est l'hémimégalencéphalie, donc une grosse dysplasie de l'entière hémisphère. C'est des enfants qui peuvent avoir des macrocéphalies ou même des normocranies, qui ont par contre une dysplasie avec une pachygyrie, souvent une lysencéphalie, des ventricules qui peuvent être assez larges, avec des foyers d'épilepsie pharmacorésistante souvent. Une autre étiologie, ça peut être le syndrome de Sturge-Weber, c'est rare, mais voilà, on peut voir sur le scanner des classifications typiques hémisphérique, et puis ça c'est un peu l'aspect macroscopique si vous allez opérer ces patients, et ils ont souvent également des épilepsies réfractaires. Un autre exemple, c'est l'encéphalite d'Erasmussen, donc où on a une attente d'étiologie pas claire, probablement immune, qui se développe à partir des 3-5 ans d'âge. Donc c'est des enfants qui régressent d'un point de vue cognitif typiquement, et qui ont des crises réfractaires qui peuvent être très bien traitées par une hémisphérotomie. Donc maintenant, on passe à la réalité chirurgicale. Donc on va parler de l'hémisphérotomie périinsulaire. Donc elle va se développer, c'est une chirurgie qui se développe en trois grandes phases où on va isoler notre hémisphère de l'hémisphère contralatéral et du tronc cérébral. Donc on va couper toutes ces connexions pour éviter une propagation secondaire de l'épilepsie. Donc on va travailler tout autour de la vallée sylvienne. Donc ça c'est une hémisphérotomie du côté gauche. Donc ça c'est la vallée sylvienne. Donc on va travailler tout d'abord supérieurement en effectuant une fenêtre supra-insulaire, puis une fenêtre infra-insulaire, et enfin, il y aura une étape insulaire pour déconnecter
également l'insula. Donc, première étape, effectuer la fenêtre supra-insulaire. Donc, on va, il faut s'imaginer qu'on va commencer à coaguler et puis ensuite aspirer le cortex frontal et pariétal operculaire pour se donner de l'espace. Et ensuite, on va aller vers une profondeur en effectuant une coupe au niveau de la corona radiata pour arriver jusqu'à l'épendyme et à notre ventricule latéral, donc corne frontale et corps du ventricule latéral. Donc, une fois qu'on sera dans notre ventricule latéral, il faut qu'on identifie notre septum pellucidum et la jonction avec le toit, donc avec le corps calleux, pour aller effectuer puis notre callosotomie. On va voir après. Ensuite, on va poursuivre avec les deux autres étapes. Donc, postérieurement, on va déconnecter l'hippocampe et effectuer une déconnexion fronto-basale. Donc, pendant cette première étape où on coupe et on aspire au niveau du cortex frontal et pariétal operculaire, on va naturellement commencer à couper les fibres associatives courtes, NU. Pendant la coupe au niveau de la corona radiata, à ce niveau-là, on sera obligé de couper les projections de la capsule interne complètement, donc toutes les fibres qui vont passer au niveau du bras antérieur, du genou et du bras postérieur de la capsule interne, elles vont être coupées. Il faut penser que souvent, ces patients ils vont avoir une hémiplégie déjà lors de notre examen neurologique préopératoire ou quand ils ont des fonctions motrices résiduelles, c'est souvent parce qu'ils ont une atteinte congénitale, donc ils vont avoir une transposition des fonctions motrices de l'hémicorps contralatéral dans l'hémisphère sain. Donc, voilà. Une fois qu'on a, quand on coupe la corona radiata, on va également couper les portions de l'SLF, donc le 2 et le 3 en particulier pendant cette étape. Le faisceau arché également, elle va être coupée si on est au niveau de l'hémisphère gauche. Pour ça, on a une énorme récupération. Le plus votre patient elle va être jeune, le plus on va avoir une bonne récupération neurologique dans la période post-opératoire, aussi le plus elle va être rapide. Et puis, on va également sectionner vers l'avant les fibres frontales de projection du faisceau ciné et de l'IFOF. Donc, une fois qu'on est arrivé dans le ventricule, on va aller vers une callosotomie. Donc, l'objectif, c'est, comme je vous disais avant, identifier la jonction entre le septum pellucidum médialement et notre corps calleux et se diriger vers la fissure interhémisphérique, donc vers le haut et médialement, pour aller chercher du LCR tout simplement pour la fissure et puis identifier les artères péricalleuses. Donc elle va être un guide extrêmement importante. Il faudra les suivre vers l'avant jusqu'à la jonction du complexe communicant parce qu'il faudra déconnecter donc, vers l'avant toute la portion antérieure du corps, le genou et le rostrum. Et une fois qu'on aura fait ça, il faudra reprendre la coupe intraventriculaire vers l'arrière pour aller déconnecter la portion postérieure du corps, le splénium. Et à ce niveau-là, on va également couper, on le verra ici, voilà, le départ de fornix, donc pour couper toutes les efférences qui partent également de l'hippocampe. Donc, c'est bien important d'identifier la fissure choroïdienne et c'est également important d'épargner au maximum le plexus choroïde pour éviter des problèmes secondaires liés à une éventuelle coagulation des artères choroïdiennes. Donc, maintenant, une fois que notre fenêtre supra-insulaire est complète, on va passer à la fenêtre infra-insulaire. Donc, on va devoir couper au niveau des T1 notre cortex operculaire temporal et notre direction de la coupe, elle va être vers le bas à la recherche de notre ventricule. Donc, on va chercher notre corne temporale cette fois
Il faut bien faire attention à votre angulation. Il ne faut pas aller tout droit de T1 parce qu'autrement, on va se retrouver les branches de M3 au niveau de la citerne circulaire. On va arriver dans les ganglions de la base. Donc, il faut être angulé vers les bas. Il faut rentrer dans la corde temporale du ventricule. À ce moment-là, on va chercher d'identifier notre hippocampe, donc la tête de l'hippocampe en particulier, et puis plus médialement et antérieurement, il y aura l'amygdale. Donc, c'est important de réséquer complètement l'amygdale et également la tête de l'hippocampe. Donc, quels sont les substrats anatomiques? Qu'est-ce qu'on va couper pendant cette procédure? Donc, les fibres nues naturellement, et puis toutes les fibres qui composent le temporal stem, donc la portion sublenticulaire et rétrolenticulaire de la capsule interne. Et puis, naturellement, on va couper amygdale et hippocampe. Le dernier step chirurgical, donc, c'est la déconnexion de l'insula. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'insula, elle reste quand même un foyer épileptogène qui peut être important. Donc, typiquement, la meilleure façon de déconnecter l'insula, c'est de passer au niveau de la capsule extrême ou externe pour couper toutes les éventuelles connexions entre l'insula et les cortex operculaires ou les éventuelles projections qui peuvent aller vers les ganglions de la base ou vers le bas, vers le tronc cérébral. Donc ça, c'est un exemple d'enregistrement qu'on a fait il y a quelques années. Donc c'est des enregistrements corticaux au cours de la procédure. Donc ça, c'est avant la déconnexion sur la gauche et puis ça, c'est après la déconnexion. Donc le tracé blanc, c'est des tracés homolatérales où on est en train de déconnecter. Et puis par contre, ces trois tracés jaunes, c'est des tracés au niveau de l'hémisphère contralatéral. Donc vous voyez un préopératoire, il y a des spikes interictales qui continuent à se propager, prédominent au niveau du cortex, au niveau de l'hémisphère malade, mais qui vont quand même se propager secondairement au niveau du cortex contralatéral. Donc, une fois qu'on a terminé notre procédure de déconnexion, on a refait un électroencéphalogramme cortical. Et puis, vous voyez qu'au niveau de l'hémisphère homolatéral, on a une nette augmentation de la fréquence et également de l'amplitude de nos spikes interictales, probablement parce qu'on est plus, on a isolé l'hémisphère et on n'a plus les mécanismes inhibiteurs qui venaient de l'hémisphère contralatéral, avec par contre, au niveau du tracé jaune, donc du tracé au niveau de l'hémisphère contralatéral, une absence de propagation. Donc notre procédure, elle a été efficace. Ça, c'est une autre représentation pour démontrer un peu la même chose. Donc les spikes interictales, ça, c'est leur fréquence. Donc, vous pouvez voir qu'au cours de la procédure de déconnexion, il y a une très importante baisse des spikes interictales au niveau contralatéral, surtout après la callosotomie, comme vous pouvez bien vous imaginer. Donc, on a coupé complètement les connexions avec l'hémisphère contralatéral. Et donc, il n'y a plus de propagation contralatérale. Donc ici, je finis la partie de la chirurgie pour l'épilepsie hémisphérique. Donc maintenant, on va passer à l'autre grand chapitre. Qu'est-ce que je fais si j'ai un patient qui a un foyer épileptogène qui reste large et qui est localisé dans un cadran cérébral? Donc pour cadran cérébral, on a défini comme cadran antérieur le lobe frontal, ou comme cadran postérieur, on a associé les lobes pariétal, occipital et temporal. Donc, cadre figure idéale, c'est des patients qui ont une condition statique, donc qui ne va pas évoluer avec le temps. Et en principe, c'est des patients qui ont souvent des fonctions motrices résiduelles ou même préservées, même normales. Donc, la clé de cette procédure, ça va être respecter notre faisceau pyramidal. Ça va être impératif d'épargner au maximum le faisceau pyramidal et naturellement sa vascularisation. Donc on va se concentrer sur la déconnexion du cadran affecté. Donc on commence par la déconnexion postérieure, donc on l'a appelée quadrantotomie postérieure.
C'était la première à être décrite historiquement. Donc, on va isoler le cortex pariétal, occipital et temporal du reste de l'hémisphère, donc du cortex précentral et postcentral et du reste du lobe frontal, de l'hémisphère contralatéral et puis également de toutes les projections qui peuvent aller vers les ganglions de la base et vers le tronc cérébral. Donc, les étapes chirurgicales vont reprendre partiellement les étapes de l'hémisphérotomie. Donc, il y aura un nouveau fenêtre infra-insulaire. Puis, par contre, la déconnexion va monter. Donc, on va faire une déconnexion intrapariétale. On va faire également la troisième étape, c'est une callosotomie, mais uniquement postérieure à ce niveau. Donc ça, c'était une patiente d'une dizaine d'années qui avait une dysplasie diffuse avec un foyer épileptogène qui était multifocal mais localisé au niveau du cadran postérieur. Donc on a pu effectuer cette procédure. Donc ça, c'est un hémisphère gauche. Ici, vous voyez, ça, c'est le lobe frontal. Donc l'incision, excusez-moi, elle est nue inversée. Donc ici, c'est l'oreille, en principe. Et puis, donc, ici, il y aura le nez et ici, par contre, il y aura l'occiput. Donc, ça, c'est le lobe frontal avec le sillon central qui est là, tac, tac, tac. Et on a effectué une déconnexion quadrantectomie postérieure. Donc, ça, c'est la fenêtre infra-insulaire et ça, c'est la déconnexion intraparietale. Donc, vous voyez à quoi ça correspond sur l'IRM post-opératoire. Fenêtre infra-insulaire, déconnexion intrapariétale, donc postérieurement par rapport au gyrus postcentral, et pareil sur les axiales où on arrive jusqu'à la faux. Donc, fenêtre infra-insulaire, je ne vais pas la répéter, c'est la même étape que pour l'hémisphérotomie, donc on coupe le cortex operculaire temporal et le temporal stem et on élève la portion médiale du lobe temporal qui est souvent épileptogène. Et puis, alors, la déconnexion intrapariétale. Donc, quand je vous disais avant, la coupe, elle sera postérieurement par rapport au gyrus postcentral si possible, si le foyer il est postérieur. Donc on coupe en général parallèle au sillon postcentral et à ce niveau-là, du coup, on va couper les fibres d'association intrapariétale naturellement et l'SLF. Donc sur la portion latérale de l'hémisphère, ça sera l'SLF 2 et 3 avec l'arché également sillonné à gauche. Et en allant médialement jusqu'à la faux, on va couper également le SLF 1 et la portion médiale du lobule pariétal supérieur et la portion postérieure du cingulum. Une fois qu'on a effectué cette étape, il nous reste encore la callosotomie postérieure. Donc, c'est le même principe, on est dans le ventricule, on identifie notre septum, pellucidum et notre callosome, notre corps calleux vers le haut. Et donc, on suit l'inclinaison du corps calleux donc pour couper, pour déconnecter au niveau de la portion postérieure du corps et vers le bas, le splénium. Jusqu'à la tâche de fornix qui doit également être réséquée. Donc, une dernière, on a décrit récemment la quadrantotomie antérieure qui reprend certains des principes de l'hémisphérotomie. Donc, maintenant, on va traiter des patients qui ont des foyers épileptogènes larges au niveau du lobe frontal et l'objectif, c'est d'isoler notre lobe frontal du reste de l'hémisphère également, tronc cérébral et noyau de la base. Donc, pareil, c'est souvent des patients qui ont des fonctions motrices qui vont être préservées. Donc, notre coupe, elle va être devant par rapport au sillon précentral pour essayer de leur garantir des fonctions neurologiques comme un préopératoire. Donc, les étapes chirurgicales, elles sont quatre. Cette fois, on les a partagées en quatre pour mieux comprendre. Donc, il y a une fenêtre supra-insulaire antérieure. Donc, on va effectuer, comme dans l'hémisphérotomie,
une portion supra-insulaire, mais uniquement en élevant le cortex operculaire frontal. On ne va pas prolonger vers l'arrière notre coupe. Puis, il y aura une déconnexion intrafrontale, ici, qui monte verticale jusqu'à la faux. Puis, il y aura une callosotomie antérieure et une quatrième étape, une déconnexion fronto-basale. Donc, si on voit sur cadavre les différentes étapes, donc ça, c'est la fenêtre supra-insulaire antérieure. Donc, on reste parallèle à la fissure sylvienne, à quelques millimètres pour préserver notre vascularisation. Ça, c'est la coupe intrafrontale, donc où on va couper un parallèle par rapport au sillon précentral. Au niveau des portions postérieures de F3, F2 et F1, et on va se diriger vers la portion médiale de l'hémisphère. Donc, pour couper la portion médiale de F1, le cingulum et arriver également jusqu'au corps calleux. Et ça, c'est un exemple pour vous montrer la déconnexion fronto-basale qu'on verra après en détail, qui est également très importante pour éviter des propagations du cortex fronto-orbitaire vers l'arrière et typiquement vers le lobe temporal qui reste en place. Alors, si on commence la première étape, donc fenêtre supra-insulaire antérieure. Alors, comme je vous disais avant, donc on suit la fissure sylvienne, on va coaguler et puis aspirer au niveau du cortex operculaire frontal. Et puis on va s'approfondir, donc on va arriver à peu près au niveau de la portion antérieure du sillon circulaire. Et puis on va poursuivre vers l'avant et médialement, donc en restant en avant par rapport au bras antérieur de la capsule interne jusqu'à la corne frontale du ventricule. Donc, qu'est-ce qu'on coupe pendant cette procédure? Les fibres associatives et nues. Puis, il y aura toutes les terminaisons typiquement de l'SLF3 qui vont arriver en F3 qui vont être coupées. Il y aura des fibres associatives au niveau de la capsule extrême, donc c'est typiquement des fibres associatives courtes entre l'insula et le cortex operculaire frontal. Puis il y aura les fibres antérieures de la capsule extrême, de la capsule externe, excusez-moi, donc typiquement au niveau du lumen insulaire. Il y aura la terminaison frontale du faisceau ciné et de l'IFOF. Donc ça, c'est pour montrer sur cadavre, pour rendre un peu plus clair ce qu'on coupe à chaque étape. Donc ça, c'est les fibres nues que vous voyez une fois que vous avez juste élevé la substance grise. Puis si on va un peu plus en profondeur, donc vous commencez à voir les terminaisons de l'SLF, donc l'SLF3 qui sera un peu plus en bas, l'SLF2 un peu supérieurement. Puis ça, c'est la capsule extrême, c'est les fibres de la capsule extrême, donc associatives entre l'insula et le cortex operculaire frontal. Et puis ça, c'est la capsule externe. Voilà, avec les fibres qui partent de la portion médiale du lobe temporal vers le lobe frontal, donc notamment le faisceau ciné et l'IFOF. Donc, maintenant, la deuxième étape, alors, c'est la déconnexion intrafrontale. Donc, comme je vous disais avant, on reste devant par rapport au sillon précentral pour épargner les fonctions motrices de notre patient. Donc, on fait une déconnexion qui est verticale au niveau de la portion postérieure de F3, F2, F1. Qu'est-ce qu'on va couper? Donc, à nouveau, SLF2, SLF3, plus latéralement, et puis plus médialement, SLF1 également. Puis, il y a toutes les fibres qui vont passer au niveau de la portion antérieure du bras antérieur de la capsule interne. Donc, on arrive à identifier trois types de fibres, donc deux descendantes et une ascendante, et dans l'ordre de latéral à médial, c'est les fibres descendantes frontopontiques, c'est des fibres ascendantes du thalamus au cortex, et puis il y a à nouveau des fibres descendantes frontostriatales. Donc, pendant cette étape, on ouvre bien large la corne frontale de notre ventricule et puis on poursuivra avec notre chirurgie.
Donc, ça, c'est une représentation cadavérique pour vous donner une idée un peu plus pratique de quoi on traverse. Alors, les fibres nues, les fibres qui appartiennent à l'SLF, 2 et 3 à ce niveau-là. Puis, voilà, il y aura la capsule extrême avec son IFOF et le faisceau ciné. Donc, une fois qu'on est plus en profondeur par rapport à ces plans, on va commencer à voir les fibres qui vont constituer le bras intérieur de la capsule interne qui est coupé dans sa portion antérieure. Donc, il y a les fibres frontopontiques, donc descendantes dans ce sens. Plus en profondeur, il y a les fibres thalamo-corticales, les noyaux antérieurs du thalamus vers le cortex frontal. Et puis, encore plus en profondeur, encore plus médial, il y aura les fibres fronto-striatales pour le noyau de la base. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans le ventricule. Pareil, comme pour l'hémisphérotomie, jonction septum pellucidum callosum. Donc, on va chercher notre toit et on va chercher la fissure interhémisphérique. On identifie les péricalleuses, on les suit vers l'avant. Donc, on déconnecte cette fois le genou et le rostrum basalement. Donc, qu'est-ce qu'on coupe anatomiquement? Ben, on coupe le forceps minor, donc les fibres associatives entre les deux lobes frontales, typiquement préfrontales. Et le dernier step qui nous reste, donc, c'est la déconnexion du cortex fronto-orbitaire et du gyrus droit. Donc, il faut faire pour ça une déconnexion fronto-basale. Alors, on part à nouveau de notre incision corticale au niveau de notre incision operculaire. Donc, on peut la prolonger un peu en avant au niveau de la pars triangularis et également de la pars orbitalis 2F3. Et puis, il faut qu'on parte médial. L'objectif, ça va être de rejoindre notre incision au niveau du rostrum. Donc, pour faire ça, on va suivre, donc c'est important de préserver notre pimaire basale pour ne pas avoir des accidents vasculaires et puis pour ne pas avoir des hémorragies inutiles non plus. Et pouvoir identifier les structures qui nous sont utiles pour notre repérage intraopératoire sans les endommager en gros. Donc en particulier, les choses qui seront importantes, ça va être notre nerf olfactif et puis également notre jonction carotidienne. Donc, on va suivre comme inclinaison, en gros, la clinoïde. On va aller médial et un tout petit peu vers l'arrière pour rejoindre notre incision du rostrum. C'est bien important de ne pas aller trop en arrière, parce que trop en arrière, on va se retrouver dans la substance perforée antérieure avec des risques vasculaires qui sont non pertinents. Donc, une dernière incision pour vraiment déconnecter au maximum notre gyrus droit, ça sera d'inciser un parallèle le long du sillon olfactif, un parallèle du nerf olfactif, pour bien être sûr de ne pas avoir des propagations secondaires à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va couper? Alors, bon, les fibres associatives courtes, et puis c'est le bras antérieur de la commissure antérieure qui va être coupé à ce niveau-là. Donc, l'incision, si on la voit en sagittale, c'est à ce niveau-là. Donc, on va couper également les terminaisons basales du faisceau ciné et de l'IFOF. Et si on le regarde en axial, c'est un peu plus intuitif. Donc, ça, c'est notre direction de coupe suivant notre clinoïde. Et si on regarde les différentes structures, donc on part, on s'est dit, au niveau du cortex operculaire et on doit rejoindre notre rostrum. Donc, on suit notre inclinaison de la clinoïde et on va couper à ce niveau-là donc les projections antérieures de la commissure antérieure, tout en laissant les projections postérieures qui vont aller vers le lobe temporal. Donc ici, c'est un exemple d'un patient qu'on a traité. C'était notre premier cas traité par quadrantotomie antérieure. Donc, c'était un jeune patient né prématuré qui n'avait même pas 4 ans quand il a développé une épilepsie pharmacorésistante. Donc, il avait des crises surtout focales de type moteur. Au niveau de l'hémicore, en particulier au niveau du bras du côté gauche, avec une parésie gauche résiduelle entre les crises.
Donc, les jets, ils montraient clairement un départ des crises au niveau frontal droit, comme vous voyez ici, avec des propagations secondaires qui sont rares. Et le bilan d'imagerie, il avait mis en évidence une hémimégalencéphalie, donc avec une dysplasie très importante, une lysencéphalie au niveau de la portion antérieure du lobe frontal du côté droit, avec également, vous voyez, un ventricule avec une forme anormale. On a cela, un sillon circulaire qui n'est pas visible au niveau de sa portion supérieure. Et également un PECT qui a montré un hypométabolisme, un interictal au niveau du lobe frontal droit. Donc l'IRM fonctionnelle, elle a été tout à fait rassurante. Comme le petit avait des fonctions motrices résiduelles, on s'est dit qu'on allait compléter avec une IRM fonctionnelle avant de prévoir une procédure chirurgicale. Et puis on a vu que la fonction donc, de la main, et du pied du côté gauche, ils étaient localisés au niveau de l'hémisphère gauche. Donc, on était rassurés. On pouvait procéder à une intervention chirurgicale sans avoir trop de risques d'une aggravation neurologique en post-opératoire. Donc, la chirurgie elle s'est très bien développée et s'est très bien déroulée. Donc, l'enfant, on est à 3 ans post-opératoire et puis il a Engel classe 1. Donc, il a un contrôle des crises très importante, il a pu sévrer 3 de ses 4 antiépileptiques. Donc, et ça, c'est l'IRM post-opératoire. On voit que cette partie-là, c'est la fenêtre supra-insulaire antérieure. Cette portion supérieure, c'est la déconnexion intrafrontale. Et ici, sur les axiales, pareil, c'est la déconnexion intrafrontale qui arrive jusqu'à la corne frontale du ventricule. Avec, par contre, sur les deux coupes ici, donc T1 et T2, vous voyez la déconnexion fronto-basale qui part du cortex operculaire et qui va médialement et un peu postérieurement pour rejoindre notre incision de clivus. Donc ici, j'ai une vidéo de cette procédure. Donc, c'était un autre patient, c'était un jeune prématuré qu'on a opéré à 5 mois parce qu'il avait une centaine de crises par jour. Donc, c'était surtout des crises motrices, pareil, mais cette fois qui s'est manifestée au niveau de l'hémicore droit avec des généralisations secondaires également. Donc, le foyer, vous le voyez, c'est un départ qui est du côté gauche, un départ moteur, un frontal à gauche, avec par la suite une généralisation. Donc, je vais vous montrer l'IRM voilà, qui montre un cortex fortement dysplasique au niveau préfrontal. Donc, c'est toute la partie gyrus front-orbitaire et puis aussi au niveau de la partie triangulaire, donc F2, F3 fortement dysplasique avec également un cortex, un sillon circulaire qui est dysplasique. Donc, on est parti vers une déconnexion de ces cadrans épileptogènes. Alors, ici, l'enfant, donc, il est installé sur un matelas à billes. Donc, c'est un petit, donc pas de Mayfield. Exposition large, c'est importante, même si vous utilisez la navigation pour cette procédure, pour avoir quand même des repères anatomiques clairs. Donc, en particulier, identifier, ça va être souvent les vaisseaux qui vont vous guider pendant vos procédures. Identifier la vallée sylvienne. Donc, ouverture large, ouverture de la dure-mère, et puis on va chercher nos repères anatomiques. L'autre chose qui est fondamentale aussi pendant la procédure, c'est d'identifier avec précision notre sillon central avec le gyrus pré-central et post-central. Et ça peut être fait aussi si vous avez un bon électrophysiologue, c'est quelque chose d'essentiel pour la chirurgie de l'épilepsie. Mettre des électrodes corticales pour enregistrer l'inversion des phases au niveau des potentiels pour pouvoir localiser avec précision votre gyrus pré-central et votre gyrus post-central. Donc ici, voilà, ouverture de la dure-mère. Donc ce qu'on voit, c'est vallée sylvienne, donc lobe temporal, il sera ici en bas. Tout ça sera notre lobe frontal.
Et puis, donc on a pu identifier, grâce à l'anatomie, donc la pars triangularis avec la pars supercularis, et puis plus en arrière, donc le gyrus précentral avec le sillon central, comme confirmé par l'électrocorticographie. Donc, on fait un monitoring électrophysiologique. On cherche également de localiser le foyer épileptogène. Au cours de cette phase, on a pu confirmer que notre foyer épileptogène, chez ces petits, il était antérieur. Il était à partir de la pars triangularis de F3. Donc, on s'est dit qu'on pouvait aller déconnecter en effectuant une déconnexion entre la pars triangularis en avant et la pars supercularis en arrière. Donc, alors, ici, on a effectué la fenêtre supra-insulaire antérieure et ici, on va effectuer la déconnexion intrafrontale, comme vous la voyez ici, donc déconnexion intrafrontale et la fenêtre supra-insulaire antérieure. Donc, voilà, vous voyez, c'est un cerveau qui est très immature, c'est typique des petits nez prématurés, c'est un pimère qui est très délicate, ça saigne très facilement, une manipulation qui doit être très très délicate. Donc ici on a déjà arrivé dans le ventricule. Donc voilà, ici c'est le plexus choroïde et puis on identifie médialement le septum pellucidum avec le toit du ventricule, c'est le corps calleux. Donc on est déjà arrivé à notre premier objectif. Puis, il faut prolonger vers le haut et médialement notre coupe intrafrontale. Donc, on va aller déconnecter la portion médiale de F1 et également la portion antérieure du gyrus singulaire. Donc, on arrive jusqu'à la faux. Voilà, ça c'est notre faux. Donc, on a complété notre coupe. Et à ce moment-là, on reprend notre coupe dans les ventricules parce que il faut aller effectuer la callosotomie, donc poursuivre antérieurement, on va identifier les péricalleuses et les suivre antérieurement pour déconnecter le genou et le rostrum, donc tout en respectant naturellement les péricalleuses. Donc voilà, ici on complète notre fenêtre supra-insulaire et puis il faut aller en fronto-basal. Donc il faut aller reprendre notre incision au niveau du rostrum pour être sûr d'avoir tout déconnecté. Donc, une fois qu'on a notre cadran qui a été isolé, on a l'habitude de laisser des DVE en place pour éviter des hydrocéphalies, de devoir courir après pour derrière des patients décompensés. Donc, on préfère prévenir, on laisse un drainage pendant 4 ou 5 jours. Donc, ça, c'est l'IRM post-opératoire. Donc, vous voyez la fenêtre supra-insulaire, la déconnexion intrafrontale. Puis ça, c'est par contre une partie de la déconnexion fronto-basale et ici à nouveau l'intrafrontale. Donc l'outcome, il était bon. C'était un petit qui avait pu stopper 3 de ses 4 antiepileptiques et c'était un Engel 2 au suivi. Maintenant, on est à 2 ans après la chirurgie et puis il n'avait pas de déficit neurologique, en tout cas détectable. Alors maintenant, les choses à laquelle il faut faire attention dans les chirurgies de déconnexion, donc l'objectif de faire une chirurgie de déconnexion, c'est de ne pas de laisser du parenchyme viable en place. Donc il faut absolument préserver vos vaisseaux corticaux, respecter votre vallée sylvienne, prenez votre distance de sécurité. Mais voilà, il n'y a pas de sens de faire une procédure si minutieuse et puis d'avoir un AVC du cortex qu'on a laissé en place. Puis, pour précaution, je vous conseille de laisser un drap ventriculaire en place pour éviter des hydrocéphalies, comme je vous disais avant. Et l'autre clé, c'est de bien mesurer, bien donner des ordres précis par rapport au volume de LCR que vous devez drainer. Donc, typiquement, bon, il faudra l'adapter selon l'âge de l'enfant, naturellement, mais déjà un débit de 5 à 10 cc par heure, ça va être déjà un débit haut, donc à adapter. Souvent, ça peut être 2 heures, parce qu'avec un excès de drainage, on a un risque d'avoir des hémorragies rémantes et ça peut être catastrophique. Et puis, l'autre chose, c'est de bien choisir le timing de notre chirurgie.
Dans certains cas, typiquement avec les encéphalites de Rasmussen, on est obligé d'intervenir avant que le déficit neurologique maximal soit installé parce que l'épilepsie elle est extrêmement réfractaire avec des centaines de crises par jour. Donc, il faut bien expliquer aux patients, dans ces cas, aux parents, dans ces cas-là, que votre chirurgie de déconnexion elle risque d'aggraver l'enfant sur le plan neurologique. Donc, je voulais vous montrer une dernière procédure de déconnexion donc, qu'on fait dans les cas d'épilepsie réfractaire multifocale. Quand je parle de multifocale, je veux dire une épilepsie qui a des foyers qui sont bilatérales. Donc, on est dans les palliatifs à ce niveau-là. On ne va pas s'attendre d'avoir des classes Engel 1 ou 2. Ça va être exceptionnel. On va chercher de diminuer l'impact des crises sur le développement psychomoteur de l'enfant, mais c'est vrai que la cure chirurgicale va être difficile. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on peut proposer, il y a naturellement la stimulation vagale, une DBS, mais ce n'est pas l'objectif de ces cours. On peut faire des callosotomies. Donc, il y a des callosotomies antérieures, il y a des callosotomies complètes, où on peut coupler des callosotomies avec des commissurotomies, donc la coupe de la commissure antérieure et postérieure. Donc, par rapport à ça, récemment, on a pu publier une collaboration avec un groupe russe de Tumen, une technique endoscopique de déconnexion où on va déconnecter le corps calleux avec justement la commissure antérieure et postérieure. Donc voilà, ça c'est des vues anatomiques, donc on va couper les trois structures et on a vu qu'il y avait un potentiel bénéfice pour le contrôle des patients qui avaient des drop attacks, mais voilà, c'est des résultats préliminaires, ça sera à confirmer. Donc ça c'est une partie de la procédure où on va déconnecter les commissures, donc c'est important d'être à l'aise avec l'endoscope naturellement, et c'est important de avoir un endoscope flexible parce que ça ne va pas être possible avec un rigide. Donc, le facteur prédisposant pour effectuer cette procédure, c'est si notre enfant a une hémimégalencéphalie ou en tout cas il a une malformation avec un élargissement ventriculaire ou il a tout simplement l'hydrocéphalie, ça va être beaucoup plus aisé pour nous. Donc voilà, ici on rentre, on passe un transcortical. Donc on est rentré dans les ventricules, nos repères habituels, donc on cherche des veines septales, les veines intralamostriées, le plexus choroïde pour nous orienter vers le moro. Donc voilà, on rentre dans le moro et on se retrouve dans le troisième ventricule. Donc le corps mammillaire, ça c'est l'anatomie que vous connaissez de la ventricule cisterno, le récessus infundibulaire, et puis là il faudra monter, donc ça c'est notre commissure antérieure. Donc on n'est pas si habitué à regarder si et non. Donc on va avec un forceps ou un bipolaire, comme vous préférez. L'objectif c'est d'aller couper notre commissure antérieure. Voilà, donc les saignements ils sont contrôlés comme dans toute endoscopie avec une augmentation de l'irrigation. Et une fois qu'on a fait la commissurotomie antérieure, là, on va partir avec notre endoscope flexible postérieurement pour se diriger vers la commissure postérieure. Donc ici, on va être inverti, donc on va être au contraire. On doit passer... Excusez-moi. Voilà, on est là. Donc, on rentre. Donc, on va être avec le haut qui est représenté en bas parce que notre endoscope, il va être au contraire. Bah, voilà. Donc, ça, c'est notre commissure postérieure. Donc, il faut s'imaginer que nous avons plié notre endoscope vers l'arrière. Nous avons passé la masse interthalamique, donc l'adhérence interthalamique. Et donc, on va se retrouver, ça, c'est la paroi postérieure de notre troisième ventricule. Donc notre aqueduc, il va être là et non. Ça va être notre commissure postérieure, c'est notre objectif à déconnecter. Et puis ça, c'est le récessus pinéal avec la commissure abénulaire qui va être ici.
On va la voir maintenant. Donc, on répare avec notre forceps. On va couper notre commissure postérieure. Voilà, c'est important de le faire complètement, d'être efficace. Je vois qu'on va faire cette procédure. Donc, voilà. Ici, on contrôle que ça soit complet. Et, excusez-moi, je voulais vous montrer juste la dernière image. Donc, où on voyait... voilà, donc ça, c'est... le plexus choroïde, donc du toit du ventricule avec le récissus pinéal et notre commissure postérieure qui est à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple de callosotomie qui n'était pas faite endoscopique, par contre. Donc ça, c'était une callosotomie faite sous microscope. Donc c'est un abord interhémisphérique que vous connaissez. Donc il faut disséquer les adhérences arachnoïdiennes entre les deux hémisphères et puis bien identifier donc la callose marginale plus superficielle autour du jure singulaire et puis les deux péricalloses. Voilà, donc on doit passer entre les deux. On continue notre dissection. Donc pour être sûr d'effectuer une callosotomie complète, surtout vers l'avant, c'est bien si on arrive à disséquer vraiment nos péricalleuses jusqu'à quand elle tourne. Voilà, ici vous voyez. Donc c'est vraiment un guide important pour être sûr d'avoir tout bien déconnecté. Et puis voilà, à ce moment-là, une fois que tout est propre et tout est dégagé, on peut procéder à notre déconnexion. Donc, on commence avec la coagulation, hémostase toujours minutieuse. Et puis, on commence avec une callosotomie. En général, on commence avec une callosotomie petite et puis on l'élargit au fur et à mesure. Donc, on va bientôt trouver notre ventricule. Voilà, donc on ouvre notre ventricule latéral. En principe, ça sera l'homolatéral, mais il faut toujours regarder nos repères pour ne pas se tromper. Donc, notre plexus choroïde, nos veines thalamus striées pour toujours contrôler l'orientation. Puis ici, on va avancer antérieurement. Donc, ça, c'est la déconnexion du genou. Et puis, on va continuer inférieurement jusqu'au rostrum. Et puis, une fois que... Donc voilà, ça c'était notre commissure antérieure inférieurement ici. Donc ça c'est notre rostrum qui va être déconnecté. Donc au niveau antérieur, la callosotomie elle est complète. Et puis à ce moment-là, on va passer à la callosotomie postérieure. Donc où on va déconnecter, c'est bien important de suivre. On va perdre le péricallose postérieurement. Donc, c'est bien important de suivre la courbe de notre splénium pour ne pas laisser de corps calleux qui reste et donc avoir un mauvais outcome par la suite. Voilà. Donc, ça, c'est un peu un résumé des techniques que je vous ai montrées. Donc, pour des épilepsies hémisphériques, on aura une hémisphérotomie périinsulaire, donc centrée autour de l'insula avec les trois fenêtres, avec les deux fenêtres, donc supra-insulaire, infra-insulaire et la déconnexion de l'insula. Puis, pour des foyers qui sont limités à un cadran antérieur ou postérieur, on aura une quadrantotomie périinsulaire. Et puis, pour les cas avec des foyers multifocales, bihémisphériques, on peut faire des connexions interhémisphériques avec une callosotomie plus ou moins commissurotomie. Donc, ce que je voulais vous transmettre, c'était que la sélection des cas elle est fondamentale pour avoir un bon pronostic, qu'avec les techniques de déconnexion, globalement, on arrive à avoir le même contrôle des crises qu'avec des techniques de résection et en même temps, on essaie de limiter les risques typiquement des sidéroses cérébrales, donc d'avoir des dépôts d'hémosidérine qui peuvent tardivement développer des foyers d'épilepsie secondaire. On a également moins d'hémorragie remote parce qu'on a moins de shift, parce qu'on laisse le parenchyme en place.
Puis on a l'objectif, c'est aussi de chercher de limiter la dégradation cognitive des patients et si possible améliorer leur outcome. Et puis l'autre chose, c'est naturellement de référer les patients à des centres qui ont l'habitude. Donc je remercie mes profs et mes collègues. Et puis j'espère de ne pas vous avoir saturé avec toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci Julia pour cette excellente présentation, très riche présentation. Effectivement, donc c'est une chirurgie qui a nettement évolué ces dernières années avec les nouvelles techniques d'électrophysiologie, d'imagerie. Et effectivement, ces enfants qui font donc des états de mal épileptiques avec plusieurs crises par jour. Donc le pronostic neurologique est vite altéré. Il y a aussi le risque de mort subite dans cette population. Et effectivement, heureusement, donc il y a cette chirurgie qui se développe. Moi, je suis resté un peu sur les anciennes chirurgies qu'on faisait à Sainte-Anne avec Bonko et le professeur Chodkiewicz à l'époque. Mais les choses ont bien évolué et bravo pour ce énorme travail. Merci à vous pour l'invitation. Merci, avec plaisir. On va passer aux questions. Adrien ? Bien sûr. Oui, bonsoir. Alors, je crois qu'on n'a pas de questions encore dans le groupe de discussion. Bonsoir, merci beaucoup, Julia, pour ta présentation, effectivement, très, 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 très dense, très intéressante. Tu as évoqué brièvement, à un moment donné, l'utilisation de la neuronavigation. Est-ce que, dans ce type de procédure, tu l'utilises de manière, je dirais, systématique, ou bien est-ce que tu te réfères plutôt à tes connaissances anatomiques et quelle est selon toi l'importance de l'utilisation de la neuronavigation, quelle est sa place en fait alors, on dans ces procédures ça, effectivement. Puis c'est vrai qu'on revérifie toujours les données de la navigation avec nos repères anatomiques, on a toujours peur d'avoir un shift, donc on la met en place, on l'utilise, mais on revérifie toujours avec justement comme je vous disais avant, l'anatomie vasculaire, et puis on refait aussi un mapping physiologique qui est fondamental pour nous, vraiment pour avoir les sillons centrales. C'est souvent, comme je vous disais avant, aussi des patients qui ont une dysplasie très étendue. Donc, les repères anatomiques, souvent, ils peuvent être altérés. Donc, sûrement, je suis favorable à la neuronavigation, mais le mapping intraopératoire est fondamental pour vérifier le foyer épileptogène et pour localiser les sillons centrales. D'accord. Est-ce qu'éventuellement, tu utilises parfois l'échographie pour repérer, par exemple, les ventricules? Est-ce que ça a une place quelconque dans ce type de chirurgie ou... Alors, ça pourrait. C'est vrai que non, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser pour cette procédure. Mais ça pourrait effectivement être utile, surtout s'il y en a un shift. La localisation des ventricules, ça reste... L'échographie, c'est toujours un élément utile. Donc, pourquoi pas. Surtout peut-être en temporal, si on est un peu perdu, on est vite perdu, comme on est 6 NT1, on cherche le ventricule pour aller un peu vers le bas, avoir la bonne direction. D'accord. Ok, merci beaucoup. Tu parlais juste à l'instant d'un type de complication matérialisée par l'apparition de nouveaux foyers épileptiques suite à des dépôts d'hémosidérine. Quel pourcentage patients développent ce type de complications? Ils disent que c'est corrélé, dans la littérature, ils disent que c'est corrélé à la quantité de cerveau en gros qui est enlevé, donc à la largeur du parenchyme enlevé. Dans les premiers rapports, c'était plus que 50%. Maintenant, il y a des séries qui disent 10-20%, mais c'est quand même pas mal. C'est un des gros taux de récidive, des crises à long terme, dans les résections larges. En fait.
Et dans ces cas-là, quel type de traitement est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il est possible de réintervenir pour, je ne sais pas, évacuer ces, retirer ces résidus ou bien ça? Parce qu'ils vont être... souvent, si c'est vraiment réfractaire, on part vers des chirurgies un peu de palliation. Donc, que ce soit en stimulation vagale, souvent, ils sont bilatérales. C'est compliqué le traitement. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière petite question, peut-être dans la, comment dirais-je, la dissection intrafrontale. Donc, tu expliquais que tu passais en avant du sillon précentral. Est-ce que la proximité de l'aire motrice supplémentaire est un souci? Est-ce que il arrive que vous soyez amené à passer dans l'aire motrice supplémentaire? Est-ce que vous essayez de l'éviter? Est-ce que c'est Ça arrive qu'on passe de l'aire motrice supplémentaire. Là, c'est souvent des petits qui récupèrent complètement. Donc, D'accord. ils ont de bons résultats. Et puis, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on peut les rendre fonctionnels pour voir un peu de quel côté, si on peut passer éventuellement au niveau de la zone motrice supplémentaire, si on peut être un peu plus agressif. Si on peut, c'est clair, on va passer devant. Mais ça nous est arrivé de devoir la traverser. Et on a eu des hémiparésies qui ont bien récupéré par la suite grâce à la plasticité. D'accord. Très bien, ben, je te remercie encore une fois pour ta présentation et je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, dans le groupe de discussion, Oui, non, toujours pas. Julia. Si quelqu'un a des questions, je pense qu'il est possible de prendre la parole directement. Julia. Je voulais savoir pour la callosotomie, on parle souvent de préserver l'épandier, mais je ne vois pas comment on peut préserver. J'ai du mal à le comprendre. Et pour éviter les soi-disant méningites aseptiques, je ne sais pas si tu as une expérience. Nous, honnêtement, je ne pourrais pas te dire qu'on épargne le pendule. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais aussi, est-ce que dans les callosotomies pures, est-ce que vous avez même le tiers antérieur, des mutismes post-opératoires qui seraient dus plus à la rétraction qu'aux fibres, la lésion des fibres? Est-ce que c'est quelque chose de... On a un mutisme, mais on a eu aussi des syndromes de déconnexion. Donc, Oui. dyspraxie, typiquement, c'est une complication qui est connue, qu'on explique par un opératoire. D'accord, mais qui est dû, c'est-à-dire, donc vous ne retenez pas l'effet de supplémentaire de l'attraction cérébrale au niveau de l'aire motrice, surtout quand on passe en interhémisphérique. C'est-à-dire, donc je parle de la callosotomie pure. Disons qu'on les met aussi souvent en latéral pour avoir Pour éviter l'attraction. une limiter ça, mais c'est clair que ça contribue. Surtout si on le laisse en dorsale, on est obligé de rétracter un peu plus. D'accord. Le pourcentage, c'est-à-dire ces malades qui ont eu ce genre de chirurgie, les déconnexions larges, est-ce que on est dans un taux, c'est-à-dire est-ce qu'ils récupèrent, ils rentrent dans les catégories avec au-delà de 80% d'amélioration des crises le plus souvent, où il y a encore, je sais que les séries sont encore limitées, d'après ce que j'ai compris un peu partout. C'est des séries qui sont un peu limitées, de 15, 20, etc. Voilà. Disons que le pronostic au niveau contrôle des crises, il est à peu près superposable aux techniques de résection. Donc, on est aux alentours de 80%, mais c'est clair que la clé, c'est vraiment la sélection des patients. Il nous est arrivé d'opérer des patients des hémisphérotomies avec des problèmes un peu progressifs. Un patient avec un syndrome non clair qui progressait aux IRM, et puis l'outcome n'a pas été bon.
Donc, c'est vrai que c'est vraiment la sélection préopératoire qui fait si que le contrôle des crises il soit optimal après. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'avais une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une contre-indication, par exemple, la débilité ou retard mental? Est-ce que c'est des contre-indications ou pas? Non, on opère des personnes qui ont des gros retards psychomoteurs. Même souvent, ils ont un certain rattrapage cognitif, justement. Et puis, il y a une nette amélioration au niveau du comportement. Donc, c'est souvent des petits qui ont des comportements d'agressivité. Ils sont beaucoup plus calmes, ils ont moins de troubles comportementaux et post-opératoires. C'est pas clair encore exactement l'impact au niveau clinique, mais non, il n'y a pas de limitation de ce type dans la sélection des patients. Ouais. Je me souviendrai toute ma vie de mon premier jour à Sainte-Anne, où j'ai vu les petits de se trimballer avec des casques. Je pose la question, pourquoi ils ont des casques? Vous allez voir, et là, sans crise, donc des choses comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Il y a aussi donc, le problème des familles qui vivent un drame et qu'il Absolument. faut gérer aussi. C'est une chirurgie qui est pour moi donc, assez difficile techniquement, mais aussi à côté, gérer les parents et ce qui est compréhensible. Donc les parents, ils attendent. Donc je me souviens aussi de la déception des parents quand les interventions ne réussissaient pas. Donc ça m'a marqué. Voilà, bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Adrien? Non, je n'en vois pas. A priori, pas d'autres questions. D'accord. I think Écoute. Omar has a question. Omar, you have a question? Yes, I have a question. Thank you, Dr. Julia, for this very good lecture and very not routine neurosurgeon. I ask Dr. Julia, Professor Julia, for last decades about lobectomy, how much to comparing for the complications nowadays and last decades. I'm sorry, I didn't Okay. understand the full question. How much Oh. patients? Before we got 20 years or 30 years, there's lobectomy for the epileptic surgery, Yes. There's so many for the nowadays for MRI, functional MRI. We know the white matter and all the microsurgical anatomy, microanatomy, because we know less complication. Do you make compare between the complication last decades and now for complications? Oui, alors sûrement, for sure there was, nowadays there are less complications because we have a lot of tools to combine, like even the intraoperative MRI, we can do an intraoperative mapping with electrophysiology, but still we can do technical errors. This is always a possibility. And then also if we do like a preoperative functional MRI, the results intraop can be different. We had one patient that had a functional MRI showing a motor function contralateral. And then when we performed the disconnection, she woke up and she was plegic. So actually the functional MRI wasn't good enough to localize the motor functions of that patient. So we still have limitation, we still can have complications. I would say that they can go till 10% of procedures to be realistic. It is not so rare.
For sure that they are less than 10 years before, 10 years back, but still they are there. For psychological problems after follow-up? Neuropsychological problems? Especially for boys, growing children, you know. I think that they are less than in the past, and the thing is that the re-education, the neuro rehabilitation is very good now. So honestly, at follow-up, we have even patients that improved after surgery because they were able to, they didn't have this burden of seizures that was invalidating them. So they were able to catch up some delay, like a school. So parents, if the surgery is working, are very happy about the development, the neuropsychological development of children. Dr. Said, please, you know, at Arabic, Dr. Said, yes. Yes. You know, Arabic, the frontal lobe is nasia in Arabic, and nasia, meaning at nasia, yes, in Arabic. This is the future. What means the future? This is what imagining. We study these things about the children or the adult patient about what he is the imagining experience. Is it return or remain good? If total or hemi spectrum, you know? The nasia, yeah, the meaning. The future imagining, this is the frontal lobe. Yes. The two sets of all the brain, you know. Mm-hmm. Okay, okay, then. Can you ask Dr. Julia this one? At nasia, study or not study it? We have a question from James Diego Perez. What kind of electrical monitoring do you use during surgery? I mean, cartography or deep electrode? We use both. We start with corticography. So we use mainly the quadripolar electrodes that I showed you in the video. It's a platinum electrode that can detect the starting point of the seizures and also the localization of the of the central sulcus. And then when we have a doubt, like for instance, when we perform an amygdala hippocampectomy, typically we use electrodes. Or when we have a lesions like a localized dysplasia, we use deep electrodes to localize the point, the starting point of epilepsy. And above all, we have a very good electrophysiologist. This is our key. Ah, oui, ça c'est important, très important. Yes. OK, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais sinon, donc on va te libérer. Te remercier vivement pour ta participation, parce que ça a été pour nous un honneur de t'avoir. On a appris beaucoup de choses et j'espère qu'on apprendra beaucoup de choses avec toi dans donc le futur proche. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt, une fois les frontières ouvertes. J'espère. Merci. Mon amitié à toute l'équipe de Lausanne. Je transmettrai. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Hey, John. Il a abandonné le... Yeah, you like to say that. You're muted. Yeah, thanks, Julia. And thank you, Adrian. And thank you, Saïd, for setting it up. And we look forward to the next presentation. When is the next presentation, Saïd? The next presentation, it's about brain trauma. Is that the new concept of the treatment of brain trauma? Dr. Khoury from Reunion Island. All right. Very good. Well, you know, this French station is not meant just for France. It's meant for French-speaking people of the whole world. I mean, they're everywhere.
So anyways, thanks all you guys and thank Julia, you very much. Yeah, merci à tout le monde. Merci. Okay, merci. We'll have this edited and sent to you, Julia and Adrian, okay? Thank you, John. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye, everybody. Bye-bye. Merci beaucoup.